dans la résurrection, c'est un nouveau départ. Je me suis engagé devant vous tous à ne plus trop insulter les gens, en tout cas sur les réseaux. Mais, dites au grand frère Maurice Le Moula, le son est tournant, ça doit prendre. Et ça a commencé à prendre. Il n'a qu'à appeler tous ses collaborateurs de Trans TV devant vous tous, il va prendre l'engagement. Mais le clip est joli et ça doit passer pour que la résurrection soit totale. Mais tant que le rebelle ne passe pas si trace depuis plus de 10 ans, on ne sait pourquoi, il y aura toujours un truc, un sourire en esprit, même sur les calmes. Donc pour qu'on règle vraiment, c'est-à-dire que pour que chacun vive sa vie, je sais qu'il est capable de ça. Il a déjà commencé, on a fait concert, on a fait des réunions, on a fait beaucoup de choses. Mais le fond même du problème, vous devez être témoin de ça. Voilà. En même temps pour tous les artistes qui sont là, en même temps pour tous ceux qui font les choses qui sont là, Mola, ne fait pas passer ton clip sur trace. Je ne te promets pas de faire passer ton clip sur trace. À mon avis personnel, le clip, tu l'as fait léger. Toi, tu trouves que le clip est très beau. Moi, je trouve personnellement devant tout le monde que le clip est léger, ne reflète pas la musique. Je peux appeler les gens de trace pour demander du soutien, mais ça ne rend service à aucune personne. Moi, je crois au travail d'une personne. C'est ce que tu travailles bien, et je te l'ai toujours dit. Je ne vais pas prendre mon numéro ou mon téléphone pour appeler, pour supplier pour qu'un artiste ivoirien passe. Je supplie transcrit que quand un artiste ivoirien, on l'interdit de passer. Et tu sais pourquoi on t'interdit de passer. Je suis passé plusieurs fois avec toi dans les chaînes de télé et de radio pour aller demander de sympathie pour toi. Devant tout le monde, c'est pas Facebook. Je suis parti à toi dans le rendez-vous avec Trans TV, avec le directeur général de Trans, qui t'a dit de te calmer et d'attendre. Si tu insultes Mola, que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, je suis une légende de la musique. Tu insultes des amis à un mois avec qui j'ai mangé du riz, gaba dans les couloirs et dans les cafés. J'ai mangé prof le toi et eux. Et donc si tu m'insultes, ils ont peur de toi parce que tu as insulté un de leurs amis. C'est pour cela qu'on te ferme. Sinon, Mola, avec sa dignité et l'éducation de ses parents, je ne peux jamais appeler pour dire qu'il faut enlever lui là. Je n'ai pas ce temps. Je suis enfant de Dieu. Je cherche l'argent pour aider ma famille et mes amis et les pauvres. Depuis que je suis en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais appelé pour dire qu'il faut enlever lui là. Ou qu'il faut enlever lui. Jamais. Parce que ça ne m'intéresse pas. Tiesco, quand on dit d'être concentré, comme tomate concentrée, si tu fais ta musique, je prends. Tu peux te fâcher, tu peux parler sur Facebook, tu peux insulter, tu peux faire ce que tu veux. Mais concentrez-vous sur le travail. Parce que la musique, ce qui est sûr, est clair et net, c'est ce que tu viens de le prouver. Et demain, c'est un support pour moi de venir m'asseoir devant tous les médias du monde entier pour dire qu'on a fait le show spécial de Tiesco le Sultan. Vous l'avez insulté, vous l'avez vilipendé. Il y a beaucoup de gens qui sont venus. Il a une audience. Tiesco, tu as quelqu'un en Côte d'Ivoire, c'est toi qui ne sais pas. Merci. Tu es quelqu'un. Merci de m'apprendre. Non, laisse ça. Tu es quelqu'un. Il n'y a pas de Jésus, le Michel, c'est comme ça. Laisse Facebook. Facebook n'a jamais géré vu de quelqu'un. Ceux qui m'insultent quand ils passent ici, ils sortent sur tout le monde avec une photo. Tiesco, quand il dit d'être concentré, sois concentré sur ton travail parce que tu fais de la bonne musique que tu nous as fait vibrer ce soir. Je vous dis que le monsieur, quand il prend le micro, il sait chanter, c'est un chanteur. Point à la ligne. On finit notre soirée de résurrection. Gringo, c'est le meilleur. Les îles, ton vieux, il ne veut pas dire rentre ici devant les gens. Je n'ai pas envie de rater, tu connais, tu as chauffé mon cœur, il a commencé à me lever. Donc, il est laissé. Non, non. Willy, tu connais, Willy a vécu 10 000 conseils. Fais un morceau, elle donnait, on va chercher les petits doigts, partir dormir. Il a donné une voiture à ma femme, on applaudit ça quand même, merci. Seuls les garçons jaloux n'applaudiront pas parce qu'ils ne peuvent pas. Alors les filles qui sont ici, s'ils veulent dormir, toi, pour accepter le premier jour. Au bout de 2-3 coups, il faut demander une voiture ou bien un fonds de commerce. Oui. Afroculture TV,
votre chaîne culturelle, le vrai visage de la culture africaine.